50 000 euros le dimanche. 50 000 euros, la cagnotte qui peut tomber dans un moment. Les deux candidats sont face à face dans cette première manche. Christian, technicien de laboratoire à Caen. Romain, ingénieur en technologie web à Rennes. Et lequel des deux va affronter Franck qui jouera pour une cinquième et dernière victoire? Et 50 000 euros, on va le savoir dans un moment. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle pour prendre ou laisser la main. Et le premier qui arrivera à 15 points se qualifiera pour la finale et affrontera Franck. Votre analyse sur ce début de match, Franck? Ah ben je trouve que Romain était très impressionnant, tant aux 9 points gagnants qu'aux 4 à la suite. Donc je pense que c'est un candidat redoutable et je m'attends à l'affronter. On s'attend à tout en fait. Oui. Tout peut arriver. Alors première question tout de suite, un match en 15 points, télévision. Je prends la main. Romain prend la main, d'accord. Ta émission de télé créée en 90 sur France 3. Je suis aujourd'hui présenté par Philippe Gougler, magazine de découverte et d'évasion, oui. Faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver, d'accord. Créé par Georges Pernoud, je propose aux téléspectateurs de partir à la découverte de la France et des autres pays du monde. Faut pas rêver, 4 à 0. Religion. Je laisse la main. Religion, constituée sous ma forme classique aux alentours du 5e siècle après notre ère. Je ne possède ni prophète fondateur, ni autorité suprême. Le bouddhisme. Non. T'en proposant sur la connaissance de textes sacrés écrits en sanskrit, je me distingue par l'affirmation de l'existence d'un principe universel et par la foi en un panthéon dominé par la trinité que forme Brahma, Vishnu, oui. L'hindouisme. L'hindouisme, d'accord. Si zéro... Histoire. Histoire, c'est pour vous. Je prends la main. Un roi. Quel est ce roi né en 1894 et disparu à Neuilly-sur-Seine en 72? Je n'ai régné que de janvier à décembre 1936. Ayant participé à la Première Guerre mondiale, très populaire lorsque je succède à mon père, George V, j'ai abdiqué en faveur de mon frère, George VI, devenu duc de Windsor, oui. George VII. Non. Top, j'ai épousé l'américaine divorcée Wallis Simpson en France, oui. Édouard VI. Ah non. Top, en 1937, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, incarné par Guy Pearce dans le film Le discours d'un roi. Édouard VIII. 6-0. Littérature, Christian, quand vous voulez. Je prends la main. T'as un roman dont le succès fut décrit comme un coup de grisou par mon auteur, j'ai été publié pour la première fois il y a 60 ans, cette année. Devant mon titre, un vers de Paul Éluard. J'ai la Côte d'Azur pour cadre et pour héroïne, une jeune fille insouciante, oui. Bonjour, tristesse. Voilà. Œuvre de François Sagan ayant fait scandale à ma sortie, ayant depuis été vendue à plus de 2 millions de copies. Bonjour, tristesse, François Sagan, 9-0. Animaux. Pour Romain et Christian. Je prends la main. Top. Hominidé, dont un rare individu albino s'appelait Copito de Nieve, était jusqu'en 2003 au zoo de Barcelone. Je vise habituellement en Afrique équatoriale. Comprenant deux sous-espèces dites de plaine et de montagne qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut, je mastique pendant des heures les feuilles que je consomme et je suis... Le gorille. Le gorille. Le gorille. Le gorille. Le gorille. Le gorille. C'est ce que je tente. C'est oui, le gorille. Bravo, bravo. 2 mètres de haut, le gorille. 11. Question musique. Et Christian doit décider. Musique. Je prends la main. Chanteuse, artiste, née en septembre 1944. J'ai fait mes véritables premières armes dans des cabarets de la rive gauche de Paris. Remarqué dès mon premier 33 tours, tiens, toi et ben, j'arrive. Je me produis en 78 dans Starmania, où j'interprète, oui. Morane. Vous dites Morane, vous savez que c'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Et la main passe. Top, où j'interprète le rôle de Stella Spotlight.
Chanteuse québécoise, célèbre pour l'excentricité, oui. Fabienne Thibault? Non. Top de mon univers musical, oui. Dufresne. Voilà, Diane Dufresne, d'accord. Bon. 13 à rien. Gastronomie. Allez, gastronomie, lequel des deux affrontera Franck qui va jouer pour la cagnotte 50 000 euros dans un moment. Je prends la main. Boisson, donnez-moi cette boisson dont le roi Gustave Ier de Suède était amateur. Je porte le nom de Glühwein dans les pays germaniques et je compte de nombreuses recettes. Oui ? La bière. La bière ? La bière. C'est non. Et la main passe. C'est Christian qui a la pression maintenant. Ça pourrait être renforcé de cognac ou de mar et relevé de zeste d'orange, de clou de girofle, cannelle. Je suis. La vodka? C'est non. Top, traditionnellement, servi en hiver, je faisais déguster lors des marchés de Noël à la montagne, oui. Le vin chaud. Vin chaud, voilà, terminé. Franck. 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 Voilà, Romain, Franck. Franck, Romain, ça sera l'affiche de ce soir. Alors Franck, qu'en pensez-vous, Franck? Je pense que ça va être un adversaire redoutable, puisque sans depuis doute, le début, il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Ça va être très difficile pour moi. Vous vous rendez compte, ça fait 15-0. Donc on va se régaler, parce que Franck va tout donner, bien sûr. Il veut la cagnotte, 50 000 euros, mettez-vous à sa place. Vous ne la voulez pas, la cagnotte? Ben, bien sûr. Mais il y en a un qui va l'empêcher, bien sûr. Qui va l'en empêcher, c'est Romain. Le face-à-face à ne pas rater. On oublie ce score. Il vous reste quelques minutes pour participer au concours. Il y a 3 000 euros en jeu, 3 000 euros à gagner. Quelqu'un parmi vous va les gagner ce soir, c'est certain. Quel chanteur italo-belge a chanté « Tombe la neige » en 1963? Adamo, réponse 1. Bruel, Patrick, Bruel, réponse 2. Donc Salvatore ou Patrick, 1 ou 2, à vous de jouer. Vous le savez très bien, donc 32-43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Le match, Romain d'un côté, Franck de l'autre, qui joue pour une dernière victoire et 50 000 euros. Attention à ne pas rater le match, le choc, le jeu.